Vous avez été élu à la présidence du Mauritius Law Society. Expliquez-nous un petit peu vos objectifs pour votre mandat. Effectivement, freshly elected. Donc, merci pour mes membres pour me faire confiance. Comme présidente et avec l'accord de tous mes membres, on pense que l'objectif clé, c'est redorer la noblesse de la profession. On a l'impression malheureusement que it requires que ça soit refreshed pour le moment, et on voudrait déjà ramener la profession ensemble, une solidarité entre nous-mêmes, et informer le public encore plus sur notre profession, et voilà, marcher dans ce sens. Et bien sûr, amener au progrès de la profession et voir comment on peut améliorer notre service au public et améliorer le quotidien de nos membres. Très fière d'être femme à la présidence, mais pour moi, il ne faut pas faire cette distinction entre femme ou homme à la présidence. Ce qui est important, c'est que le travail soit bien fait. On a une grande représentation dans la profession des femmes, mais ce qui est plus important, c'est qu'on travaille ensemble, que tout le monde travaille ensemble, tout le monde met du sien, et que, femme ou pas, que le travail soit fait et bien fait, et qu'on progresse ensemble.